Yo l'équipe, c'est Fry, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, ça pas de la forme. Aujourd'hui, on se pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online, les gars, où je vais vous montrer un glitch d'application 100% solo, facile à faire, vous allez voir, il est très rapide. J'espère en tout cas que vous allez kiffer. Profitez-en, il va bientôt être patché. Rockstar vraiment est en train de patcher quelques-uns des glitches, donc à mon avis, celui-là devrait bientôt passer à la trappe. Et en plus de ça, vous savez bien que les solos sont rares, donc faites-le, les gars, faites des stocks de duplications avant que ce soit patché, ou moi, comme ça, vous aurez pas mal d'argent en stock pour les prochains DLC. On est parti pour les prérequis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner les gars, ça fait super plaisir et on est parti, let's go. Je voudrais d'ailleurs m'excuser pour la qualité du micro les gars, c'est pas mon micro habituel mais malheureusement j'ai dû changer car je suis pas chez moi. Voilà pourquoi je voulais vraiment vous faire une vidéo mais que je n'ai pas le micro habituel. Donc en premier lieu vous devrez avoir le centre d'opération mobile avec en module 3 comme d'habitude le dépôt de véhicules personnels. Voilà, quand vous aurez ça les gars, il faudra également que vous ayez un véhicule à dupliquer. N'oubliez pas qu'on duplique que des ici anticipations, c'est vraiment le véhicule le plus rentable, que des véhicules transformés de l'arena, c'est ultra important. Et principalement, là ici anticipation, vous allez pouvoir vendre 1 800 000 $. Donc ce glitch, c'est le glitch, le fameux glitch où vous devrez dupliquer avec un véhicule armé. Donc vous devrez écraser un véhicule armé pour pouvoir faire la duplication. Vous le connaissez sûrement parce que j'ai déjà sorti sur ma chaîne, il n'est pas nouveau nouveau, mais forcément je le représente parce qu'il va probablement bientôt être patché, donc faites-vous plaisir avant qu'il le soit. Donc voilà les gars, donc en tout cas vous allez devoir en tout cas écraser un véhicule armé, donc là ce sera pas avec une Eleger H8, ce sera avec un véhicule armé. Donc pour ce glitch je vous conseille de faire le glitch avec la Dominator. La Dominator vous allez l'acheter 35 000 $, faudra obligatoirement la transformer à l'arena pour 1 000 000 $ et ensuite vous pouvez faire le glitch. Donc c'est à dire que par exemple si vous faites le glitch avec la Dominator, vous gagnerez par duplication 800 000 $, pourquoi? Parce que là Eleger la liste d'anticipation se vend 1 800 000 et que le véhicule que vous allez écraser, la Dominator transformée, vaut 1 million. Vous pouvez très bien faire le glitch aussi avec le Mule Custom. Le Mule Custom ne vaut que 35 000 $ ou 85 000, pardon. Vous allez pouvoir l'enchaîner. Ça fonctionne aussi, mais dans la manette, pour pouvoir avoir plusieurs Mule Custom, elle est assez compliquée. Je préfère directement vous le dire. Donc, voilà pourquoi je vous conseille la Dominator pour ceux qui ne sont pas habitués à faire les glitches, parce que je vous avoue que la manip avec le Mule Custom est un peu plus compliquée. Si vous voulez très bien la faire, il n'y a aucun problème. Vous allez sur ma chaîne, je mettrai de toute façon en commentaire réglé le lien pour vous expliquer comment faire avec les Mule Custom. Ça fonctionne très bien aussi, mais c'est un poil plus compliqué. Voilà, vous faites comme vous voulez, soit vous faites avec la Dominator et vous avez à peu près 800 000 par duplication, ou vous pouvez faire avec le Mule Custom, mais je pense qu'il faut être un peu meilleur dans les glitches pour pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment à vous de voir. Ce fameux véhicule armé, les gars, on va devoir le mettre dans le garage de la boîte de nuit. Donc il faudra effectivement aussi avoir une boîte de nuit. Donc dans le deuxième garage, dans le troisième garage de la boîte de nuit, peu importe, donc vous avez un véhicule armé à écraser. Donc moi je vais vous montrer que j'ai bien un Mule Custom et une Dominator Apocalypse, donc une Dominator qui a été transformée dans mon garage boîte de nuit numéro 2, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous montrer, regardez bien. Hop, je remonte, boîte de nuit, deuxième sous-sol. Et je vais vous montrer directement que j'ai bien les deux. Donc voilà, vous choisissez. Soit vous le faites avec les Mule Custom, il faudra connaître la manip. Soit vous le faites avec les Dominators transformés, ça vous doit. Vous voyez bien que j'ai une Dominator Apocalypse et que j'ai bien un Mule Custom juste au-dessus. Donc c'est vraiment les deux choix sont possibles. Vous pouvez très bien faire avec d'autres véhicules armés si vous voulez. Mais il faut toujours que ce soit bien rentable par rapport au prix de vente de la ici anticipation. Donc premièrement, on va se retrouver en session invitation tranquillement. Comme ça, il n'y aura personne qui va vous ennuyer pendant la manip. On va se retrouver dans le bunker et on va sortir la ici anticipation de notre centre d'opération mobile. Donc je m'excuse encore une fois d'avance de la qualité du micro. Je sais bien qu'elle n'est pas top, mais malheureusement pour l'instant j'ai que ça puisque je ne suis pas chez moi. Les prochaines vidéos, vous ne tracassez pas, ce sera de nouveau la nouvelle qualité avec mon micro. Mais là je voulais vraiment absolument vous faire une vidéo, c'était pas prévu. Voilà pourquoi j'ai le micro de mon casque, tout simplement. Donc hop, je sors ma ici anticipation, je la mets exactement comme moi sur la dalle de béton comme ceci. Voilà, tranquillement. Moi, je laisse tout le temps la porte ouverte, les gars, vous faites comme vous voulez. Et on est OK. Donc là, ce qu'on va devoir faire, les gars, c'est se diriger jusqu'à la boîte de nuit. Donc tranquillement, on a posé la anticipation, on sort du bunker et on va se diriger jusqu'à la boîte de nuit. Comme d'habitude, les gars, pour se diriger jusqu'à la boîte de nuit, il y a plusieurs solutions. La première, la plus rapide de toutes, c'est la téléportation via les activités. On lance une activité, on rejoint Nawak et on accepte le premier message d'alerte, on refuse le deuxième. Ou alors, vous vous inscrivez en tant que PDG. Et vous allez tout simplement commander un buzzard. J'ai oublié de préciser les gars, mais c'est bien obligatoire d'avoir un PDG pour faire le glitch. Il faut obligatoirement bien s'inscrire en tant que PDG, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc hop, j'arrive avec mon buzzard. Surtout pas de véhicule personnel les gars. Si vous prenez un véhicule personnel, le glitch il va foirer. Donc soit un véhicule de PDG, soit se téléporter via les activités. Donc hop, j'arrive directement avec mon personnage dans le deuxième sous-sol. Voilà.
Donc moi ce glitch j'ai essayé de le faire avec le mule custom, mais comme je l'expliquais, tous les véhicules armés fonctionnent. À partir du moment forcément où c'est rota pour vous. Ça c'est une logique. Donc hop, je me dirige jusqu'à mon mule custom. On a ma Dominator qui est à côté. Donc j'arrive dans le mule custom, c'est parfait. Et maintenant les gars, on va pouvoir faire la petite manip. Donc ça va être ultra simple. Vous avez le mule custom ou alors un véhicule armé, peu importe. Vous allez ouvrir votre téléphone, donc vous faites une fois flèche du haut. Vous allez faire une fois flèche de gauche, se rejoindre rapidement. On va aller sur mission de contact, on appuie une fois sur croix, on réappuie sur mission de contact, encore une fois on appuie sur seul, vraiment et on lance. Vous aurez un compte à rebours d'en bas à droite, à partir du moment où il est mis 2 sur 4, 3 sur 4 ou 4 sur 4, directement regardez, hop, flèche du haut, on met notre curseur sur rejoindre rapidement, on appuie dessus et on quitte directement. Là, on va vérifier si je suis bien bugué, donc on met start, on met le menu pause, la carte et regardez, vous voyez bien que mon bunker n'est plus affiché sur la map ni mon complexe. Donc c'est que je suis bien bugué. Parfois, certains me diront, oui, je suis bugué alors que j'ai toujours bien les logos du bunker. C'est possible, mais moi, ce que je vous conseille, c'est pour être sûr que vous soyez bien bugué, vérifiez bien que vous avez bien le bunker et le complexe qui ont disparu sur la map et ça aura fonctionné. À partir du moment où vous êtes bugué, c'est parfait. On va appuyer sur R2 pour sortir avec le mule custom ou le véhicule armé. Et vous voyez bien, quand je sors de la boîte de nuit, directement, mon véhicule disparaît. S'il a disparu, c'est ça a bien fonctionné. Si par contre il n'a pas disparu, que vous allez réapparaître simplement avec votre véhicule armé, ça n'a pas fonctionné, vous n'étiez pas bugué, il faudra recommencer tout simplement le glitch. Voilà. Après, forcément, vous allez vous rediriger jusqu'à votre bunker, soit via un véhicule de PDG, soit via la téléportation avec les activités. Quand vous arrivez à votre bunker, vous aurez tout simplement votre satisfaction qui s'attendra bien chaudement à la place. Si c'est pas le cas, c'est que ça veut dire que vous avez sorti un véhicule personnel à un moment du glitch et que le véhicule à satisfaction est revenu à son emplacement. Donc là, c'est pas le cas, tout a bien fonctionné. J'ai bien ma satisfaction, je rentre à l'intérieur, j'accélère et je vais tout simplement aller la sauvegarder via le centre d'opération mobile. Et ce que je vous conseille, c'est de choisir de session quand c'est ok. Donc vous faites flèche droite, vous acceptez le message alerte et là, ici, authentique s'est mis à la place du mule custom ou en tout cas du véhicule armé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, les gars. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. C'était Fries, prenez soin de vous la team. Profitez bien de ce glitch avant que ça patche. Allez, bye tout le monde.